Puis tout ça, toute la pression, tout le stress, toute l'organisation, c'était dernière seconde. Les gens, ils n'étaient pas là, il y avait la fille qui n'a pas venu. je voulais tellement que ça passe en douceur que moi, j'étais très, 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 très stressée. Moi, je suis les verres au fond du café. J'avais un problème de trouver quelque chose gratuit, mais aussi c'est le fait de recycler le plastique, de le fait que le plastique soit un matière tellement problématique dans notre société. Plastique, c'est un peu comme si nous devions le produit, tu sais, qu'on trouve dans le magasin. On n'est pas habillé comme si on était le légume, le fruit, le viande, etc. Ou le, tu sais, les objets dans le magazine, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu... Et aussi le fait que j'ai bien aimé ça, ça me fait rigoler, le fait que, tu sais, j'ai pensé à le mode, c'est un peu aujourd'hui, c'est ici, aujourd'hui, on le jette demain. Et ça, c'était créer quelque chose qu'on pouvait porter une fois et puis le jeter après. Ça m'amusait. VIP area. Frank, Frank, Frank Sinatra. To be famous is so nice. Suck my dick. Lick my ass. In limousines. Le mode, ça vend une rêve. C'est une rêve pour peu de gens, mais on est convaincu que on peut tous avoir ça, et c'est un peu faux. Et je voulais faire ça aussi de ma façon. Je voulais accéder à quelque chose que je ne peux pas accéder. De faire possible l'impossible. Tous les amis de mon copain, tous les amis autour de moi, ils ont gardé leur set plastique et j'ai fabriqué le vêtement avec. Et puis ça aussi, c'était aussi dans l'immeuble. J'ai fait une petite demande dans toute la boîte aux lettres. J'ai placé une annonce que je faisais un projet artistique. Est-ce que vous pouvez garder le plastique pour moi? Et ça, ça me plaisait aussi, que tout le monde, en fait, ils étaient en train de faire le recyclage pour un but artistique, que ça, même si c'était un petit geste ou une petite chose, qu'ils rendaient compte que
ça peut se servir de d'autres choses que le premier que ça semble au premier regard. Encore Rebecca. Rebecca, when you touch my body.